C'est bon. On dirait une sorte de gant, ou un gantelet. Mais il est dans un sale état. L'intérieur est truffé de contacts. On s'en servait peut-être pour contrôler un système. Et maintenant, allons voir Taavos. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Joli travail. Ça devait être comme ça pour les Angara d'autrefois. Ils trouvaient des objets étranges en pleine nature. Une telle trouvaille pourrait être à l'origine de nouvelles découvertes. Il serait judicieux de l'emporter pour en effectuer une analyse approfondie. S'en occupe. Ne vous laissez pas prendre à revers! Les voilà! Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée.
Axul, réponds Axul. Quelqu'un manque. Vous avez tué les hommes dont j'avais la charge. Et pour couronner le tout, vous allez me tuer moi aussi. Et vous, je vous connais. Pourquoi vous aidez ces meurtriers? Ryder est une alliée. Elle a déjà aidé les scientifiques de Dahar Pelaav. Je sais, ils devraient avoir honte. Après tout ce qu'on a subi à cause des Kert. Dites-moi ce que vous venez faire ici, pour que je sache pourquoi je vais mourir. Les sages de Mitrava pensent que vous pourriez vous souvenir de l'emplacement du troisième monolithe. Parce que vous saviez où il se trouvait, dans une vie antérieure. Ce sont les sages qui vous envoient. Ces abrutis avec leur mystère de Skut. Ils se foutent que leur peuple soit réduit à l'esclavage et tué par les Kert. C'est pour ça que mes amis sont morts. Je suis vraiment désolée. Je fais juste tout mon possible pour trouver le troisième monolithe et sauver Avarl. J'ai un artefact, ou un héritage, un truc comme ça. Je vais le poser et j'aimerais que vous le preniez. Quoi ? Et ? Ryder, il se passe rien du tout. Attendez, j'ai vu des trucs de ce genre au musée d'Aya. De la technologie Angara antique. On met la main dedans. Il y a des contacts à l'intérieur pour le contrôle myoélectrique de... Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Le troisième monolithe, vous savez où il est ? Je... Oui. Oui, mais je ne sais pas comment. Il faut que vous m'y emmeniez, s'il vous plaît. Si vous acceptez, on pourra sauver Avarl ensemble. Vous êtes une alien. Je ne peux pas vous faire confiance. Alors laissez-moi gagner votre confiance, s'il vous plaît. Profondément enfoui, mais pas loin. Retrouvez-moi là, à ces coordonnées. Je vous guiderai sur le reste du chemin. Mais laissez-moi d'abord retrouver mes esprits. Oui ? Pourquoi vous détestez autant les aliens, vous et les autres Rohikar ? Vu toutes les horreurs commises par les Kert, comment faire autrement ? Si les Rohikar découvrent que je vous ai aidé, ils me considéreront comme un traître. À ma connaissance, je suis la seule personne capable de réinitialiser le monolithe et le caveau. Vous ne faites pas ça pour moi, mais pour Avarl. Avoir besoin d'une alien pour sauver notre planète d'origine, vous ne voyez pas le déshonneur que ça représente ? Je suis poussé à coopérer avec vous, alors que je vous déteste. Mon esprit est complètement embrouillé. Si l'un de ces bâtiments contient des archives sur l'évacuation de Pelaav, on pourrait trouver où est partie la sœur d'Amourde. Ça vaut le coup d'y jeter un œil.
Ce truc est foutu. Les plantes et les ordinateurs ne font pas bon ménage. Pionnière, nous pouvons peut-être rétablir le courant. Un vieux générateur. Il marche peut-être encore. Voilà, Amara Dosen. Ça doit être elle. Ils l'ont emmenée à l'autre bout de la planète. Téléchargement des informations en cours. Il faut qu'on apporte ça à Amourde. Personne s'en est rendu compte. Les autres reliquats de la zone ont peut-être empêché les scans de le détecter. Il y avait des machines reliquates ici. Zorai savait comment les arrêter. Comment est-ce qu'il a appris à utiliser la technologie reliquate? Ce n'est pas comme s'il y avait un manuel. Zorai a observé les observateurs. C'est tout ce que je sais. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Les autres dormaient. Mais Zorai, mais moi, j'étais réveillé. Je ne bougeais pas, mais je voyais. J'apprenais. Ça ressemble au champ de stase du premier monolithe. Zorai était peut-être capable de se prémunir contre ses effets. Ça l'a peut-être changé. Ici. Il y a quelque chose ici. Je m'en souviens. La matière organique, très ancienne, d'origine Angara, d'après les analyses. Ses oreilles. Elle est morte ici, avant d'atteindre le troisième monolithe. C'était moi. J'aimerais rester ici un moment. Mais pas maintenant. Le troisième monolithe, il ne doit pas être loin. Allons-y. Par ici ? Ouais. Tout ça me paraît familier. Enfin, je crois. Le monolithe perdu. Enfin. Thank you.
Un autre déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc SAM sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Et voilà, vous avez terminé ce que Zorai n'a pas réussi à faire, il y a si longtemps. Je suis désolée, Taavos. Non, il n'y a pas à être désolé. Elle n'a pas terminé ce qu'elle avait prévu de faire, mais elle n'a pas échoué. Les deux monolithes qu'elle a réactivés ont permis à Varl de tenir jusqu'ici. Sans eux, la planète serait morte. Allez au caveau, pionnière. Je crois que je vais rester ici un moment. Je dois réfléchir à beaucoup de choses. S'ouvrir, pionnière. Joli travail. Voilà un caveau. Remettons-le en route. Rétabli. Vous devrez localiser la console permettant l'activation du champ de purification, pionnière.
Plusieurs interfaces convergent dans cette zone. Je vous indiquerai celles dont vous avez besoin. Cette interface a l'air plus compliquée que les autres. Voyons ça. Tourelle à proximité, pionnière. Je préfère quand ils n'essaient pas de nous tuer. Rapproche du but. Cette console activera le champ de purification. Il serait peut-être plus sage d'explorer la zone avant. Avant que cet endroit essaie de nous tuer, tu veux dire ? Préparez-vous à mourir. Te voilà ! Enfonce ! Ils n'ont pas apprécié. Le caveau est réparé. On a réussi. C'est une blague? C'est impossible. Ce n'est pas une blague. Si le caveau est réinitialisé, ça explique tous les relevés. J'ai hâte d'entendre tous les détails. Revenez à Pelahav. On a beaucoup de choses à se dire. Et Pionnière Ryder, merci de nous avoir sauvés. Pionnière Ryder, vous avez fait quelque chose de remarquable ici aujourd'hui. Vous avez réussi là où Zoraï a échoué. Esmus, qu'est-ce que vous faites ici? Je retisse d'anciens liens. C'était instructif de vous parler. J'ai vu une alien travailler pour nous alors que nous avions perdu espoir. Nous nous sommes isolés pendant trop longtemps.
Il est peut-être possible de trouver un équilibre. Je crois qu'on a tous besoin de trouver l'équilibre. Taavos, je ne m'attendais pas à vous voir, mais c'est une agréable surprise. J'ai beaucoup appris en très peu de temps. Les Roekar veulent trouver des solutions simples, mais rien n'est jamais ni simple ni sûr. Pas vrai? Dommage que ceux qui sont morts ne l'aient pas compris. Mais après tout ce que j'ai vu, je dois espérer qu'ils ne sont pas perdus pour toujours. Cet étrange transfert de mémoire? La réincarnation. Quoi que ça puisse être, j'ai l'intention de consacrer des ressources à son étude. Peut-être qu'un jour, on trouvera la vérité cachée au fin fond de nos croyances. Qu'indiquent vos projections? Est-ce qu'Avarl va s'en sortir? On voit déjà des améliorations. Elles sont minimes, mais statistiquement significatives. Avec le temps, la planète finira par guérir. Il y a de la place ici, à Dar Pelaav, et on va avoir besoin d'aide pour surveiller la situation sur Avarl. Vous voulez bien transmettre l'invitation à votre peuple? On accueillera tous ceux qui peuvent nous aider. Je leur dirai. Je vous laisse. J'ai des chiffres à analyser, et pour la première fois depuis des années, j'ai hâte de voir le résultat. Avez-vous trouvé quelque chose sur ma sœur? Voilà, avait raison. Ils ont tout consigné. Votre sœur a été déplacée à l'autre bout d'Avarl. Ce disque de données devrait contenir des renseignements précis. Merci. Grâce à vous, je pourrai revoir Amara. Mais l'idée de quitter cet endroit me terrifie. C'est chez moi, ici. Si je pars, j'abandonne mes devoirs. Et si je ne revenais jamais? Tout le monde a peur. Ça passe. Amara est votre sœur. Et un foyer, c'est souvent une personne plus qu'un lieu. Je vais ravaler ma peur. Merci. Merci d'avoir aidé un vieil homme.